إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيسك الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله nos explications les mots concernant un droit qui est obligatoire au chacun parmi nous. Pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala au moins 17 fois par jour. C'est à travers la salat qui commence dans nous pour nous faire. Et c'est sa grande droit qui trouve la surah Al-Fatiha. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il nous finit vers son élose, il dit Alhamdulillah, Rabbil Alameen, tout le monde soit Allah, Rabb de l'univers, Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui est là, pitié, Malik Yawmiddin, et même Bet, jour, gisement, jour qui nous récompense, Batimun, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est avec c'est pour que nous puissions faire l'ibadat et c'est avec nous que nous puissions faire l'ibadat. Après que nous finissons les réunions, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un parmi les principes de dua, comme une œuvre de dua est recommandée pour nous faire l'ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala en premier, ensuite nous demandons à Allah azza wa ta'ala ce qui nous a besoin. Nous demandons qui doit nous demander, nous disons avec Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, par Mustaqim. Guide-nous vers les chemins droits. Surat al-Ladina an'amta alayhim, chemin Iman, qui te fait vers, qui te fait vers le Banna, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, et non plus chemin Iman, qui est là, collé à nos yeux, et chemin Iman dégagé. Dans sa voie-là, quand il dit qu'il est obligatoire pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala sa douala 17 fois par jour à travers, si nous comptons 6 fois de namaz qui paraissent 10 rakats namaz Fajr, 4 rakats namaz Zohar et 6 4 rakats namaz Asar 10 3 rakats Maghrib 13 4 rakats Mishaber 17 et si un des sunnats il peut faire souvent sunnat souvent sur la nafil, sur qui a moulaï, alors pour les clips, les mains, Allah a saoudé sa douala, puisqu'il ne s'est pas pas par jour. Mais nous tiens minimum fort, et ça est obligatoire, nous ne pouvons pas y avoir, et n'a aucun manquement de nous salar, l'obligatoire pour les mains, Allah subhanahu wa ta'ala sa douala, 17 fois. Qui nous peut les mains, Allah a saoudé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte nos douas, c'est il faudrait qu'il nous demande sa douala avec un éclair et conscient. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté de douala depuis un éclair et un souciant qui est dans la flamme. Quand nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala sa douala, et nous comprenons qu'il nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala,
qui s'appelle prophète Noé, parce qu'il y a des sunnah, les passistes demandent du'a. Nous demandons du'a, oui. Et quand on demande du'a, nous verrons c'est bon aussi. Nous verrons c'est bon aussi. Et là, beaucoup, les musulmans, ils pensaient, mais si ils demandent du'a, ils ne peuvent pas faire c'est bon, ils pouvaient. En vérité, ce n'est pas ça le principe, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons David, Rasul Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et puis la vie qui s'est lui-même, il fait une demande, prie beaucoup de doigts, et quand il demande de doigts, les vins, faire ses faux aussi. Il fait faire ses faux ensemble avec le doigt, les vins, devant. Et il parle à un beau principe d'amis sous là aussi, il fait ainsi ses faux et il ne pas pas demande de doigts. Tous les débats ensemble, tous les débats ensemble. Le demande de doigts, nous faire, nous faire ses faux. Nous ne pas juste demander de doigts, nous faire ses faux. On vient nous faire ces efforts, nous dépendons, nous efforts, sans que nous demandions, comme si nous avons besoin d'Allah, à savoir. Ça, ce n'est pas un principe. La Sourouka, sallallahu alayhi wa sallam. La Sourouka, sallallahu alayhi wa sallam, dans les sujets de toi, les sujets de toi, c'est bon pour les guerres et s'équilibrer des membres. Quand nous demandons avec compréhension, mais la doute qui s'appuie, nous devons faire ces efforts qui disent. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donne-nous ce qu'il nous peut demander, la doua qu'il nous peut demander. Si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas faire un second pédalou pour nous dire là, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté de doua, elle n'est claire qu'il n'est pas, qu'il est inattentif. Savoir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous vers les chemins droits. Guide-nous vers les chemins droits. Et c'est un doigt qui montre nous l'importance, la guidance dans la vie, elle, ici. Qui vient toujours, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, on dit ici, pour nous demander la guidance de cette parole. Et ce qui est là, une autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, on dit ici, pour nous demander sa quantité de la parole, et ça montre nous l'importance. Elle mise suivant, l'idée la guidance, guidance vers le chemin. Vous savez, la guidance sera par nos stables, guide-nous vers le chemin. Et quand nous demandons à l'Esprit subhanahu wa ta'ala pour les guide-nous vers le chemin, il est important pour normal qui est le chemin droit. Qui est le chemin droit. Et ça, c'est un prêtre aussi qui. Et un chemin droit et un chemin travers aussi. Mais là, c'est chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la surah al-an'am, il dit à l'anna hada surati mustaqiman, fattabi'uhu. Il dit à certainement, ça c'est mon chemin droit. Allons suivre. Voilà, tattabi'u s-subula, fatafarraqa bikum an sabil. Il dit à l'anna, il dit à suivre le chemin. Et ça, pour les gars, on se dit, son chemin, il dit à chemin droit. Par exemple, ça, la Quran, nous dit qu'il y a un chemin droit, et chemin droit, c'est un seul chemin, et il y a un chemin travers qui est le plus chemin. À cause de la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant, ça y a un Quran qui trouve la Surah al-An'am, que Allah subhanahu wa ta'ala fait certainement ça. C'est mon chemin droit, alors suivez-le. Il n'a pas besoin de suivre les autres chemins, qui pourraient dans un des plus chemins droits, là, une fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est fait, m'a rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dirait la ligne droite, l'eau rapide. Ensuite, d'un côté droit, c'est la ligne là, et de ce côté gauche, c'est une règle ici à là, ici à là. Et il dit à l'autre sur le Sahaba, ça c'est chemin droit à l'eau. Le chemin qui. La ligne qui est fait droite là, ça c'est chemin droit. Et il est sous-parlant qui ça, par le chemin qui est fait faire, d'un côté droit et d'un côté gauche, et ça chemin droit là, ça c'est dans les autres chemins, c'est pas chemin droit. Et, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous aussi connaître qu'il y a 5 chemins travers et un chef, et un chef qui fait une pièce. Il y a 5 ça dans le chemin travers là, il y a 5 ça dans le chemin qui n'est pas droit là, et il y a un chaitan qui vient vivre, qui vient vivre.
et ça habitait les mal beaucoup de compréhension. Réfléchissons, frère, réfléchissons, sœur. Nous venons à l'objectif qu'on doit atteindre et là, un chemin droit. Nous insistons à ce chemin droit-là pour atteindre ça, l'objectif. Le Dieu qui dit bien, va, il est bien facile. On rentre tout ce chemin-là. On suit la route-là. On arrive aux destinations sans aucun problème. Mais moi, il y a une destination pour arriver. Moi, il y a un chemin droit qui me disait pas oui, mais seulement tout le long de ce chemin droit-là, et là-bas, chemin côté droit, côté gauche. Qui nous est là une grande tendance à nous garer, nous rate ce chemin qui droit-là, nous commence, nous garer soit côté droit, soit côté gauche. Et pas si ça, lorsque ça va nous chemin là, et là, une petite chose qui peut faire nous voir. Guinon, côté droit, pas ici là qui droit-là. Chemin droit-là, ou bien, pas ici là qui chemin droit. Et là, quand on regarde le chemin-là sur tendance, façon qu'il est bien, mais la tendance, quoi, nous, le chemin-là, il est bien droit. Mais la tendance, quoi, quand on met bien client, que si nous faisons comme ça, là, qui nous chemin droit. On vient si nous faisons comme ça, là, qui nous chemin droit. Il vient parce qu'il est là. Mais des choses qui permettent de nous verser, d'après ça, à l'état, si nous faisons le chemin droit, chemin de travers, nos sacs, chemin de travers, et un chemin droit qui peut faire nous croire. Il s'en va du chemin de travers, là, c'est ça même du chemin droit. Le chemin droit, ça même se travaille. L'embellir, ce qui va vous pour nous. L'hiverneau croire. L'hiverneau croire. Quelque chose qui va vous, ça vous. Et l'hiverneau croire, quelque chose qui va vous, ça même qui va vous. Et ça nous aide pour faire attention. Le chèvre qui nous embête. Adam, alayhi salam, et Hawa, alayhi salam, de sa façon. Quand il fait une personne croire, quand Allah subhanahu wa ta'ala finit en personne pour approcher avec sa pied là, le chèvre une personne croire. Dans le seul, en bête seul. En mêlée pour ceux. Ça fait c'est là, pour faire ceux qui croient, si je te mange, si je t'approche avec sa pied là, je pourrais se la jannah pour l'éternité ou bien ceux qui viennent. Et pas fini, Shaitan il fait un serment au Allah. Par rapport à ça, mon mari, il a commandé à venir de l'ancien. Il fait un serment avec les gays. Il vient conseiller tout ça, tout ça. Donc, en fait, dans ce cas, il manque d'argent. Donc, après, c'est un exemple que le Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait de nous dans sa hadith là. Vous voyez qu'il pour nous, quand on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour les guides pour vers le chemin droit, nous avons un grand, grand effort pour nous faire, pour nous connaître ce chemin droit là, et quand nous connaissons ce chemin droit là, pour nous tirer vers ce chemin droit. Soit qui chemin droit, nous pouvons impressionner pour nous connaître qui chemin qui droit. Ou soit nous connaissons le chemin droit là, nous pouvons faire tous nos efforts pour les guérir depuis les chemins. À cause même, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous sur l'ordre de l'Ustaqim. Guide-nous vers les chemins et reconnaître par le frère, ça est important ça. Pour nous reconnaître qu'il y a un seul chemin droit. Pas tout chemin qui droit, impossible. Et le chemin droit et le chemin traversier, pour chaque nous puissions faire des efforts pour connaître lequel chemin qui droit et quel chemin droit. Les là qui parlent d'Allah, on peut capable. Comme chemin droit, suivre chemin droit. Si nous viennent au chemin droit, et on peut capable. Protéger, jouer pour le chemin droit, chemin droit. Comment nous pouvons qui chemin, qui chemin droit. Comment nous pouvons qui chemin, c'est chemin droit. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, il dit, et bien sûr, dans le mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم. كي شمال كي دوات؟ شمال ديمان كي توفين بيس كما بيلو بان. شمال ديمان كي توفين بيس كما بيلو بان. كي بان سي؟ هم موتاك توقني سا. كي بان كي الله سبحانه وتعالى من بيس كما بيلو بان. إسي سا شمال كي ساكن بامينو نو بيزا سويم سا. بامينو شمال دوات نو بيزا سويم شمال ديمان que Allah subhanahu wa ta'ala soit parmi les rois. Il s'agit de ça. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sur le sahaba radiallahu anhu sont les premiers dans sa chemin droit. Je dis les premiers. Est-ce qu'il parmi nous il y a quelqu'un qui est là d'où qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sur le sahaba c'est mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puis mettez-vous au chemin droit
sebab dia Allah Subhanahu wa taala prepare so favero ban. Ila kita. Alai satisfaire ban. Alai satisfaire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in satisfaire sunan sahaba. In terms of garantie jannat ban ko bigarula. Rabbi Allah anhum wa radhuha. Alai satisfaire ban mana fi satisfaire. Ila okay. Ban premier. Ilo chez mes droits. Ben premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin vers sa favorable aux occidents sur mes droits, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sallam, sahaba radiallahu alayhi. Donc, ben vraiment secret, ben vous nous connaissez. Qui nous l'a chez mes droits, ou bien nous parle chez mes droits, c'est nous visant pour nous fermer. Sa conception qui nous a adopté là, sa règle qui nous peut pratiquer là, sa ibadat qui nous peut faire là, sa façon qui nous peut faire ibadat là, est-ce qu'il est d'après le principe Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et sallam sahaba, si oui, alors on est qui nous l'a au chemin droit, sinon on est qui nous parle au chemin. Et ça, bien à tout, il demande connaissance. Et chemin droit, quand vous faites à qui chemin, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin khasé, et que ce bâle sahaba radiallahu anhu fin suive sa chemin là, et quand je suive sa chemin là, Allah subhanahu wa ta'ala fin oloé bâle. Et vous, dans cet ébâle même, il se peut vivre de la bassesse. Cet ébâle même, il se peut vivre dans pleine ignorance avant l'arrivée de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les moments qui sont fin d'accord. Je vais accepter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les messagers. Je me suis lui, je me raconte ce bon conseil. Allah subhanahu wa ta'ala fait au lieu d'un prophète maintenant. Mais par le meilleur exemple, il s'en a été témoigné. Peine à plus meilleur exemple. Après, par le prophète qui va se rendre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par le même secret, il y a une course à même. Il est important. Pour nous connaître qui nous a au chemin droit, ou même pas au chemin droit. Est-ce que sa conception qui nous a donné la libo? Est-ce que sa ibadat qui nous peut faire la libo? Est-ce que sa façon qui nous peut faire ibadat la libo? Sa rite qui nous peut faire la libo? C'est le misère qu'on fait. Mais est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne? Et est-ce qu'il va le sahaba radiallahu anhu? Est-ce qu'il se fait une contrat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est qu'il nous peut comprendre. Parce que dès le jour, mais la personne qui pouvait dire on ne peut pas suivre le Coran, on ne peut pas suivre le Sunna. Tout le monde peut dire on ne suit le Coran, on ne suit le Sunna. Malgré qu'il se tout peut dire, nous suivons le Coran, nous suivons le Sunna, la réalité est devant nous. Nous trouvons que les musulmans ont encore utilisé votre parole. Ils ne peuvent plus diviser. Pourtant, ça peut être dire on ne suit le Coran, on ne suit le Sunna. On ne suit le Coran, on ne suit le Sunna. On ne suit le Coran, on ne suit le Sunna. On ne suit le Coran, on ne suit le Sunna. Impossible. Si ça peut être poussé pour un sonna pour un visage, ça devient sans sentir, on est mis ça. Ça devient sur la pratique avec moi-même. Mais le problème, quand il y a ma frère, il m'a fait avec l'imam, oui, ça peut être pas à la Coran, ça peut être pas à Hadith, mais seulement ce qui est le rôle qu'on parle, ou bien ce qui est qu'on parle, de la façon qu'ils se sont envie de comprendre. Ce n'a pas ou l'est comparé de la façon qui va le Sahaba qui nous comprend. C'est ça la différence qu'il y a. Parce que là, un petit monde, si mon frère a un droit là, on commence à poser question, sa frère là, qui peut le comprendre, numéro 2 qui peut le comprendre, numéro 3 qui peut le comprendre, numéro 4 qui peut le comprendre. Nous pensons que si elle se demande 10 frères, elle a une grande possibilité qu'il nous ait 10 fois des réponses. Donc c'est là une seule ayat. Parce que, niveau de l'éducation du monde n'a pas égal, compréhension du monde n'a pas égal. Chacun, il a une éducation, chacun il a une compréhension. Si mon métier est à la Coran, chacun comprend la son garçon, chacun peut expliquer la son garçon. Est-ce qu'il y a la Coran, il y a une situation qui ne gagne pas interprétée? Mais non. C'est ça même qu'il a une division de sa opinion. Nous visons pour la Coran, nous comprenons que la son garçon, son garçon, son garçon, son garçon, son garçon, la façon qui va le Sahaba fait comprendre. Il y a là pour connaître le chemin. Qui vient nous dire, et c'est ça qui va les autres n'ont pas dire, qui vient nous dire, nous disons qu'on va prendre les sunnahs
da façon que les Sahaba radiallahu anhum comme le Coran et Sunna parce qu'ils savent la battre dans le cercle de l'Iman Allah subhanahu wa ta'ala infini témoin ils savent là sont bien contre le Coran et Sunna sont bien partis du Coran et Sunna parce qu'ils étaient balqués d'Iman avec Sunna avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est mal qui quand je peux faire errer, c'est la pécorise. C'est la sonde sur la lampe à l'innocent qui pécorise. C'est mal qui quand je peux errer, si tu peux pas la sonde sur la lampe à l'innocent là. Mais hésitez pour pécorise, Allah descend, parce qu'il n'y a rien à pouvoir descendre dans sa moment. Allah descend la révélation pour faire la sonde sur la lampe à l'innocent pour pécorise. Et si, il y a un intérêt qui vient dérouler de la bonne Sahara, mal compréhension, ou bien mal pratique qui t'allons, Allah subhanahu wa ta'ala, descend à la Quran pour un bon Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'Islam. Dans nous les pauvres, est-ce qu'il y a sa qualité professionnelle, sa qualité célèbre, ça existe. Mais il n'y a aucun professeur qui peut y avoir dit, mais il n'y a personne parmi nous qui peut faire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour descendre de la chose qui peut l'Islam. À cause ça même, nous, il y a une obligation pour nous vivre dans les chemins droits, pour nous comprendre l'islam de la façon qui va l'avoir comprendre, pour nous pratiquer l'islam de la façon qui va l'avoir pratiquer. Et en vérité, un parimal ici, qui vraiment, il n'est pas fait le lien avant les musulmans, et nous tous les sacrés, les musulmans, de diviser. Les musulmans, il y a beaucoup de divisions parmi les musulmans, oui. Mais qui sont les gens qui sont dans le monde par les moissons fingers avant les musulmans quand il y a une division parmi eux et qui fait la division parmi les musulmans? Le Rasoul dans le monde par les moissons, la misère de l'Hadith, il dit Innahu, mais il y a un smikum, Badi, Fasaya, Ertila, Kafira. Il dit certainement, c'est lui qui peut vivre après moi parmi eux, il peut trouver beaucoup de divisions, beaucoup de diverses. Parlez comme vous êtes natif. Écoute bien qui se dit sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de vous. Il dit attrape vos sunnatos. Parce qu'il dit, vos sunnatos, les oulafa et les rachidines et les mandis. Et attrape vos sunnatos des oulafa qui se bien guider sur ta droite. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait? Il informe nous pour nous aller une division parmi nous. On nous suit ce sunnah, pas si ce sunnah, pas même hadith, après nous voulons comprendre comment nous en vivons. Mais comprendre la façon qui va le sahaba aussi qui comprend. Vous savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon maître vous divise en 73 parties, tout le monde a fait cette pièce. Le sahaba demande, qui ça est dans sa haut Rasulullah? Il dit, Abad, il suit moi et mon maître sahaba. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, et suivez-moi, passez-moi non, et vous m'avez sahab. Donc, par le même chemin que l'Iman, vous savez, vous dites chemin droit, vous n'avez pas de chemin droit, c'est une compréhension, le visage vers zéro, pour l'Iman, de la façon qui m'avez sahab, mais vous comprenez le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut dire qu'il y avait seul n'importe quoi de sa société, est-ce qu'il y a un Sahaba radiallahu anhu, c'est là la conception qu'il y a Allah pour nous? Est-ce qu'il y a un travers à l'air pour Allah, je comprends qu'il y a Allah pour nous? Et il y a plusieurs preuves qu'il y a un Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en premier, et sur un Sahaba, c'est là la conception qu'il y a Allah à Tawajal, il y a un autre, le 7e des cieux. Mais sa présence, il y a un Allah, malgré qu'il y a un 7e des cieux, le 7e, Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout ce qui peut traverser dans ça, dans sa vie. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مصيب الله سبحانه وتعالى كوز كونسيرا من شمال قابل يكون شمال قابل يكون شمال قابل كي شمال قابل شمال قابل كي نقول له شو قابل لك الى ان يموت الى بعثه سوره سوره الفاتحه نقول قاتلنا quand j'ai dans trois chemins, chemin droit, chemin mal qui est collé à l'eau, chemin des mal égale.
Quelle différence est là entre sa croix et chez moi? Quelle différence est là entre sa croix et chez moi? Et sa différence est important pour nous faire. Pour nous n'a pas, premièrement pour nous vivre, dans sa première là, chemin des balles, chemin droit, chemin des balles qui va bien là dans eux, et nous compter sur eux, pour le chemin des balles qui est collé à nos yeux, et chemin des balles là. Chemin droit, chemin. Des balles qui sont collées à nos autres, et chemin des balles égales. Chemin droit, par frère. C'est quoi nous dire chemin de la Sahaba, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala considérer eux comme balles qui sont là, droiture. Et qui fait balles qui sont collées à nos autres, c'est 28, balles égales, c'est 28. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala considérer 28 comme balles qui sont collées à nos autres, et qui fait 28 comme balles égales. Alors, chemin des balles qui ont la droiture, c'est balles qui se cherchent la connaissance et se mettent en pratique la connaissance qui se fait à quelqu'un. Et là, des critères importants pour nous faire nos chemins droits. Si nous perdons ces critères-là, nous n'avons pas le chemin droit. Premièrement, c'est que nous cherchons la connaissance. Ou bien, bref, nous dit, sans la connaissance, quoi nous pratiquons ça dit. Et c'est ça. Il y a aujourd'hui, nous vous suivons ta sortie. C'est ça? Nous vous suivons ta sortie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont contents pour se dire, mais ce n'est pas les pas contents pour le dire. C'est-à-dire, pour se dire, mais ce n'est pas les belles connaissances pour quelque chose, dit non. Et nous ne pouvons pas faire des gens qui sont contents sans qu'ils soient appris. Donc, maintenant, dans ce secret, on connaît qu'il y a une obligation. Comme à l'ensemble, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le il y a un ami qui dit à la sa connaissance, les pharas de chaque musulman. Pharas, mais n'a choix ça. Mais là, on a envie, après, on a envie, après, on a obligé à faire. Parce qu'il dit dans ça. Sinon, comment vous pratiquez dans la sou pas? Et si elle vous dit, la sou pas, la quantité, la finale, la quantité, 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 la il l'a dit à vous, nous n'avons pas fait crédit et il s'en est accepté pour qu'il va là à nous. Alain, crédit pour adorer, pour nous faire sur l'Ibadat. Et nous ne pouvons pas faire l'Ibadat sans qu'il nous cherche ça, sans qu'il nous cherche la présence, sans qu'il va pas pour faire l'Ibadat. Par exemple, et le jour où on a tellement signe, on trouve différentes façons de faire la namaz. Et pourtant, si nous pensons que à chaque nous soit libre, il peut faire la masse d'un seul masse et d'un seul imam, qui s'en a de modèle, nous tous pour répondre dans le son de son nom, allez, pour ça aussi, un modèle de la disparition de la masse, on va voir plus qu'il dit. On va voir, il a dit, 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 mais si pas pour raconter, il y a une formalité, il y a la connaissance, il y a une formalité, c'est un qui a mis nous, mais ça nous suit. Donc, malgré le siècle, l'imam nous mise en chaise la connaissance, et quand on perd la connaissance, il y a un emprunt du Coran, un emprunt du Sunna, il y a la loi qui est dans le Coran, un emprunt du Sunna, un principe du Rasoul Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de la façon qui va se faire avec le Coran. Et nous faisons, il faut que nous mettons en pratique la connaissance. Chaque connaissance qui nous intéresse, chaque loi qui nous apprend dans le Coran, nous faisons, il faut que nous mettons en pratique dans le Coran. Chaque hadith qui nous apprend, nous faisons, il faut que nous mettons en pratique dans le Coran. Ça, c'est le chemin des balles qui nous la droiture. Chemin des balles qui l'a collé à nos autres ensuite, qui vient de Subhanahu wa ta'ala qui l'a collé avec eux, parce qu'il va nous suivre, c'est des balles qui se tiennent la connaissance, mais seulement ce que tu peux mettre en pratique la connaissance de celui-là. Ensuite, il y a la connaissance. Ce qu'il y a de nos jours, va nous suivre, c'est balles qui l'a connaissance. Je connais toute la vérité. C'est moi l'arrogance dans eux, je n'ai pas accepté la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala finit en colère avec pas de salle. D'après le tafsir, va nous fasciner qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ghayr al-Maghdoubi. Et donc, je chemin des balles qui est en colère, je ne sais pas si c'est collé à Allah. Collé à l'ange, collé à la création en général, tout collé à l'ange. Pour qui raison? C'est important pour nous comprendre ça, par le vrai, par le secret, l'image. C'est quand il y a la connaissance, on peut acquérir. Le gagner connaissance, c'est une faveur qui rentre pour la vie de Béfer et Oroussa. Et vis-à-vis sa faveur-là, nous avons les dévots qui étaient, c'est pour mettre en pratique sa connaissance. Parce que la pratique, c'est le fruit de la connaissance.
Si vous pensez gagner connaissance, gagner connaissance, gagner connaissance, mais la vie pratique zéro, alors prenez toute connaissance, ça ne me profite pas. Et parce que ce n'est pas me profite pas, vous êtes un père, il y a une qualité sub, d'un autre, vous gagner connaissance, vous pouvez accepter ça. Vous gagner connaissance, vous pouvez mettre en pratique. Si la qualité, sa qualité n'est pas sub, il y a un autre, on va dire à Pontez, Pontez, vous pouvez prendre sa qualité. Alors non, vous êtes un père, c'est faux. Nous sommes sa connaissance, c'est nous mettre en pratique. C'est gagner connaissance, pas mettre en pratique, c'est qualité mal, pas sûr. Voilà pour aller, et donc vous savez pas dégager, pas dégager maintenant, c'est qui fait, madame des contraires. C'est pas qui, ce que tu commentes, pratiquer, mais seulement je te fais pratiquer sans que tu aies la connaissance. Et ça aussi dans ça. Ça aussi, les graves. Nous ne pouvons pas gagner droit, mais nous devons dire une personne aussi nous commence à faire ça. Et même nous devons dire une faire nos affaires aussi nous commence à faire ça. Et nous suivons tout le monde. Ce n'est pas ça l'islam. Après ça, nous disons, 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 c'est pas la réponse d'un discours, c'est un musulman. Chaque action qu'il est fait en vérité, il disait la connaissance, c'est qu'il gagne pour poser des questions. Oui, il est possible qu'il a ça à ce moment-là. Bref, là, il n'est pas la panique, mais c'est pas bon, ici, il y a la rime. Et ça, c'est, il y a un adil concernant ça. Ça, c'est le principe en son regard. Soit on va parler, comme ça, mais non plus, il peut pratiquer sans qu'il n'y a pas. Donc, qualité des bonnes chrétiens, c'est bon qui. Ce type est pratiqué, beaucoup rites sont finis là. C'est bon connaissance, c'est on parle avec moi beaucoup musulmans de nos jours. Beaucoup rites. Beaucoup qui sont même dans l'univers. Mais c'est bon, je parle et apprends dans plus par son père. Il a vu son père. Beaucoup de rites qui n'existent pas. Existent. Et ça, il est enseigné. Quand on va musulman permet de seul, nous sommes arrivés à l'action qui est dans son regard. Soit le bar pour aller, j'en sais rien financer, c'est un peu plus de l'innovation dans l'église. Et l'innovation, d'accord, nous trouvons que certains musulmans, ils peuvent faire certaines pratiques, mais ce n'est pas faire mal. Et nous disons que les PVR, qui n'est pas faire une partie dans son regard, soit le bar pour aller pour ça, il a mis sur l'intention bon, elle récompense aussi les valeurs, pour faire une belle mission. Parce que la Sourah sallallahu alayhi wa sallam dit à l'Alif « Wa iyyakum muhdathatil umur » Il dit « Fais attention pour ma nouveauté » Que veut dire nouveauté ? Et quand il dit ça, avant ça, la Sourah sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas de l'Alif et de l'Allah » Il dit « La parole qui vivrait ses livres Allah » Wa khair al-hadi hadu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Jamais il y a guidance. C'est guidance Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien, on a son pouvoir sur le bas, on va aller dans un fini. Un pour nous, source de nous dire, c'est pour aller sur nous. Ensuite, il y a un diable, un amour, un diable, un amour. J'ai fait attention pour ma nouveauté, pour ma nouveauté source, qui ne peut aller ni dans le Coran ni dans le Sunna. Il y a un diable, un bid'a. Quand certainement chaque nouveau action qui dit, il y a chaque nouveau rite, qui peut aller sur source dans le Coran ni dans le Sunna. Il va pas son frère, son nom, son nom, allez, mon salam, tout ça, c'est pas d'innovation, ça. Wa kulla bid'atin dalala. C'est chaque innovation, c'est les gamblants. Pas guidance, ça. Guidance, quand on appelle les guidances, guidance, c'est pas nous qui décide ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de décider ça. On devrait les trouver dans le Coran, mais la sonne, la sonne, la sonne, la sonne, allez, mon salam. Et tout va de nouveau pratiquer. Ben, allez, dans. On a la sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'innovation, et il vient de connaître l'innovation, c'est les gamins. On va couler la voilà, la terminale, ça que les gamins. Quand il y avait Timon, il y avait une Timon qui a dit de l'enfer. Ça, c'est pas mon parole, c'est parole de Rasulullah. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, pas pour m'en faire. Or, pour m'en faire, il n'y a pas une petite chose, ça. L'islam, c'est pas une badinance. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il vient de descendre la guidance, il vient de descendre le Coran, il vient d'envoyer le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme les messagers, comme les derniers messagers. Et il prend l'engagement qu'il préserve. Ça dit, « Inna nahnu nassalna
الفكرة وإنا لهم لحافظون. إذا سيتمالوا في الناس اللي يغبالي لهم قوتيزين وقوتيزين. الإسلام تفاصل كني في الناس لو رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوتيزين سيسكا أزودي لقوتيزين. Mais la personne qui est capable de faire si ça pour dans son salat, il a dit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Je tu es pour la groupe de Mohammed qui se trouve là même. Et là il est ça. Nous nous disons bien c'est pour tous les temps. Pour nous développe sa qualité d'appel apprendre, mettre en pratique. Pas si ça apprend, sans mettre en pratique, pas si ça mettre en pratique, sans pouvoir apprendre. Faisez vous. Et Inch'Allah, ma frère et ma soeur qui est venu là, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient à travers nous, qui donne nous la connaissance, nous aidera comme responsabilité envers eux. Pour nous aider eux, pour se gagner la connaissance, pour nous tous nous cesser la connaissance ensemble, pour nous mettre en pratique ça, l'islam qui se fait pratiquer dans l'époque de Rasoul Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous là pour être à travers la leçon qui nous fait, Inch'Allah, la Sabbat-Sidda. À travers la cause qui nous fait. À travers la cour des formations qui nous fait. C'est ça notre objectif. C'est nous, faire des efforts, nous donner un coup de main, nous tous ensemble. Nous venons apprendre pour être capables de pratiquer nos dîmes comme un islam. Pour être capable, parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous pose une question. On pose une question en premier lieu qui est dans la connaissance esprit. Nous venons descendre sa responsabilité là pour l'ambition. Est-ce qu'il nous enseigne, nos bons frères, nos bonnes soeurs, qui tu peux faire toi pour ainsi, on vient dans l'endroit, est-ce qu'il nous partage sa connaissance avec eux? Est-ce qu'il nous est sûr pour se gagner la connaissance et se mettre en pratique sa connaissance qui se vient acquérir? Parce que le contraire, c'est ça, chemin droit. C'est ça, chemin des mains qui n'a pas envers dans nos yeux. Est-ce qu'il nous faisait pour protéger nos mains frères et nos mains sœurs pour le chemin des mains qui n'a pas envers nos yeux? Est-ce qu'il nous faisait pour nous protéger nos mains frères et nos mains sœurs pour le chemin des mains égarés? Alors, Inch'Allah, la mains pour nous dire, et mains sœurs, c'est un droit qui est bien important. Pour qu'Allah, ça vous a fait ça, mais pas dans l'eau. Tu sais pas quand je vous demande ça? Alors, Inch'Allah, nous pouvons faire ces mots et pour nous apprendre nos dînes ensemble. Nous ne sommes pas venus pour nous faire nous, nous ne sommes pas venus pour nos difficultés, nos personnes qui sont en face de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a nous connu pour l'islam, c'est un des facilités, c'est Allah qui nous l'a facilité pour nous. Il y a eu l'Allah pour nous, pour nous, voilà pour nous, pour nous. Allah nous l'a facilité pour nous, pas nous difficulté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-dina yusrun. C'est tellement un dîner facile. Mais comment on nous apprendre? C'est la première chose. Comment on nous apprendre? Comment on t'aider à une causerie? T'aider à une cour d'information? T'aider à la leçon? Comment on peut nous mettre nos présences? Et nous apprendre dans nos combats. Un instrument sur lequel on vous a passé avec ma cible. Et vous êtes content pour faire comme ma cible. Ma cible, vous avez une deuxième largeur. Comment nous contrer à travers l'occupation qui nous est là, la responsabilité qui nous est là, pas aussi facile si un coup pendant la journée. On nous dépense un petit d'état en plus dans ma cible. Nous rentrons ici sur un soir pour sortir de notre travail. Nous comprenons. Nous avons une responsabilité. Nous avons une famille pour l'occuper. Mais au moins, malgré la soeur qui est là, au moins dans les soirs, nous ne pouvons pas si pas nous faire les soins des 7 ans, 3 ans, non. Nous pouvons faire une leçon 30, 45 minutes, pour aussi aider un temps. Au moins, laisse ça les guérir à ta site, à ma site, à travers ça, aider un temps en plus, qui ne peut pas dire tous les jours, mais nous pouvons avoir un programme, Inch'Allah, parler pas tous les jours, bien, ni nous donner un choix, mais au moins, comment, premièrement, nous pouvons gagner une faveur dans ma site, nous pouvons gagner une faveur qui nous assiste dans ma site. Nous pouvons pas dire, nous les gars attachés avec ma cible, nous comptons pour dépenser un petit peu de l'État en compte avant ces phases, et rentrer des soirées, sortir fini. Non. C'est une grande occasion en Caïdé pour ce qui est pour nous d'aller dans ce qui est bien fait, alhamdoulilah. On vient soir pour débouter cette dernière, et finir à vivre. Vous dites, nous, bien, puisqu'il finit de passer une dernière, pour nous d'aller dans ce qui est bien fait, pour nous d'aller dans ce qui est bien fait.
passés et les temps là, on s'est pas passé, on est passé, on s'est passé pour les apprendre. On vient de faire cap, on va faire cap, on est nous, on s'est pas parlé, 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 on Nous avons mis le monde pour répondre, merci. Et nous avons mis le monde pour ouvrir les choses, pour ouvrir les causeries, pour ouvrir les programmes. Avec nous, nous, l'objectif, c'est cet objectif, chers frères et sœurs, qui est l'Iman, c'est l'Empral. Qui a le soin de la trafic, on donne nos couverts. Qui a le soin de la soldat, on a le conseil de nos couverts. Qui sont en train de faire, afin qu'ils nous rapprochent nous-mêmes avec ça. L'islam authentique là, nous particulier et nous gardons l'espoir à travers ça. C'est pour qui nous pouvons faire, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, les prendre la vie d'un état qui est satisfait avec nous. Et connaître qui, si nous comptons à pouvoir s'achever là, nous comptons pour assister, pour apprendre, nous dire, pour mettre en pratique, par la bonne nouvelle, en sortant dans son temps, pour aller dans sa langue. Et j'ai un hadith, Mansala, Kadmari, Kanyanta, qui sont finis, Ilman. Et c'est lui qui prend un chemin dans lequel il peut faire sa connaissance, sa Allah la roue, arrive à la Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, facilite un chemin pour l'hiver, Jannah, alors que le chemin de la connaissance, c'est un chemin qui amène la Jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les ethnos, les verrous, les bâtiments qui nous comptent apprendre, nous comptons faire sa connaissance, et quand nous gagnons la connaissance qu'Allah est nous, on nous met en pratique sa connaissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Il augmente pour l'Iman, qu'Allah vienne nous pour nous réaliser en vide, nous reçoit des chefs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous suivre sunna, nous reçoit des bid'ahs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala que nous vivons dans son obéissance, les protéger sous condition des obéissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les faire nous profiter avec cette théophile, apprendre comme ayat Quran, comme alif et comme un conseil, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man